Il était une fois deux petits enfants qui cherchaient dans l'obscurité et l'étrange. Ça va pas le faire, on s'entendra pas. J'aime pas trop la télé, moi je l'ai déjà dit. C'est pas mon trip, je suis plus web, tu vois, les trucs de zéro comme ça. Ah, ils sont totalement fêlés du petit écran, ces gens. Heureusement qu'on n'a pas d'écran sur les ordinateurs, sur les smartphones, et pour les consoles. Comment ça, à chaque fois que je demande, ça me fait faire un. Non, pas du tout. Ça s'ouvre. Mieux. Je suis vraiment pas pressé de devoir rencontrer d'autres pétés du casque du même niveau. C'est... Ouais. Ils sont stressants quand même. C'est sympa ces griffures, non? Oui, la télé m'appelle moi aussi. Mais j'ai pas très envie. Oh, vendredi, qu'est-ce que tu fous là? C'est mon vendredi, moi le. Ah! Fin des programmes, je sens. Il va venir, il va venir. Je suis moche. Ah, j'aurais dû m'en servir pour la porte, je suis con. Oui, parce que lui, la hache, je pense que je vais juste le faire rigoler, le pauvre. Vous ne les avez pas vus parce qu'il y a eu du montage vidéo, mais vous l'entendez au timbre de voix, je suis relativement énervé. Parce que ce passage, qui est pas compliqué à passer, qui est pas scientifique, qui ne demande pas de réflexion, ni de réflexe tout court, j'ai dû me le tartiner gratuitement plusieurs fois parce que la maniabilité du jeu est complètement à la ramasse, quoi. Pas sûr que ce soit une bonne idée de monter, en fait. Donc du coup, ça m'a mis un petit peu colère le nombre d'essais que j'ai dû faire. Pour arriver à passer.
ça, c'est le genre de petit détail. Ça vous casse et l'ambiance et le jeu. Là, pareil, c'est du timing à pas cher. Voilà. Voilà. Il faut faire dans cette scène chaque geste de manière millimétrée, précise, sans que ça apporte aucun fun. Je crois qu'on vient de passer le passage de la pénibilité absolue, quoi. Le gars qui s'est dit « Oh, on va rajouter ça !» C'est trop drôle comme passage. Je pense qu'il a même pas joué au jeu, en fait. C'est pas possible. Faut avoir un niveau de connerie pour implémenter ce genre de truc. C'est pas chiffrable. Monsieur Octet en train de devenir colère sur Little Nightmare 2 alors que c'était vachement bien jusque-là. Oui. Parce qu'il y a vraiment des absurdités qui sont pas dignes d'un titre de ce calibre. Oui, on sait pas, on se cache. Mais lui, il s'est tué de toute façon. Voilà. Va te faire quoi. Moi je sais pas, c'est, je trouve ça aberrant qu'on fait un jeu de ce niveau-là. Et puis tu redémarres, bravo, c'est terrible. Je sais pas où c'est qu'ils ont vu que c'était marrant ce genre de truc avec un jeu avec une maniabilité autant à la ramasse. Alors je le confirme pour les gens qui voudraient s'y mettre. Little Nightmares 2, il y a des passages hyper réussis, très nombreux, heureusement, mais il y a des passages totalement à la ramasse de ce niveau-là, quoi. Et ça ruine quasiment tous les effets du jeu. Est-ce que je passe dessous et qu'est-ce qu'il y a un intérêt? Je crois pas, non. Non. Quel dommage, quel énorme dommage. Alors autant les devs auraient amélioré la maniabilité depuis le premier volume, il n'y aurait rien à dire. Mais là c'est... Il y a un côté pathos quoi. Oui, je vais là-bas au fond, t'inquiète. On marche toujours moins bien une fois qu'on a deux côtes pétées.
C'était une fois un petit enfant, tout trempé, tout mouillé, qui voulait rentrer à sa maison. Oui, vous avez compris la même chose. J'étais tellement focus à suivre le bruit pour trouver les bonnes portes que, forcément le drame. Ça se grimpe pas, ça se pousse pas, ça? Si, peut-être. Bien, voilà une chose qui sera pratique. But du jeu. Depuis tout à l'heure, je suis la mélodie. Alors, soit je vérifie que mon ombre, enfin que mon personnage apparaît pas sur le pas d'une autre porte. Soit j'y vais à l'oreille en essayant de suivre la mélodie. Mais là on n'a plus rien.
du tout. Une porte ici aussi. C'était où j'arrivais. Le whoop, ça veut dire que c'est bon. Son canard, c'est ce qu'il préférait, je crois. Je te le laisse. C'est moi. Rudy, rappelle-toi, on s'est beaucoup marré tous les deux. Rudy, on n'a pas envie de rigoler, je crois. Rudy! Oui, ça allait très vite. Hein. Ah, ces timings sur ces scènes-là sont vraiment pénibles, plus qu'autre chose en fait. Je le répète, hein, y a pas besoin de skill, c'est minable. Bon, vendredi les Furax. Je sais pas ce qui va se passer. Ça va peut-être mal finir pour lui, je pense. Plus que pour moi. Une hache, 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 hache. Il va falloir aller très vite encore.
Un air de déjà-vu. Non, c'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Oh, j'avais une bonne idée, moi, pourtant, je trouve. Alors, on va faire ça avec une logique inéluctable. Oui, inéluctable. Elle aurait pu être luctable, mais aujourd'hui elle ne le sera pas, puisque... Faut que je fasse tourner en bourrique avec les deux portes du fond. Ça va, ça va, ça va. Alors je vous dirai un petit secret après. Enfin, deux même. Trois fois, c'est un peu lourd quand même. Je dirais un vieux jeu des années 90 qui nous fait son boss rush du dernier niveau. Analyse et compréhension. Bon. La hache, elle est là-bas, elle me nargue. Les portes, elles me gonflent. Ça, je peux y escalader. Ouais. À peu près tout escalader sauf la partie à droite. Bon, récupérer la hache. Hein? Comment je la monte là-haut? La montée là-haut, c'est la porte de droite. Pour passer avec la hache à fond la caisse, porte de droite, je me souhaite bonne chance vraiment. Oh putain, pourquoi je dis oui? J'avais dit que je me souhaitais bonne chance. Alors j'aurais dû la tirer préalablement à gauche et prendre la porte, ok. Petit à petit, quelque chose se dessine. Vous voulez pas savoir quoi, hein, je vous dis. Ouais, moi ce que lâche, moi ce que lâche. Tu l'auras jamais. Maintenant, je vais te faire une blague. C'était tiré par les cheveux. Logique, mais tiré par les cheveux quand même. Vendredi. Tu te souviens de moi? Je t'aimais bien, vraiment, quand t'étais à mon échelle. Là, ça va plus. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Brody? Brody, laisse la boîte. Ok. Vendredi, hein? Bob, 0. Oui, je vous rappelle que je m'appelle Bob pour cette session. Vendredi! Tu veux pas chanter avec moi? Tout doucement, gentiment. Regarde.
Why can't we be friends? Why can't we be friends? Écoute. Why can't we be friends? Hop là. Suffit de les distraire un peu, ça marche bien. Oh, c'est pas fini. Oui, bah on va finir le truc hein, comme il faut. Cette boîte avait un gros problème. Les télés, les boîtes à musique, finito, plus jamais de la vie, quoi. Rudy, tu me reconnais? It's me, your friend, Bob. Voilà, pas comme ça, j'aime pas quand tu me regardes pour moi. Je serais d'avis qu'on y aille. Hein? Ouais, si. Ah, si, j'ai pas envie de rester. Voilà. Non, ça va. C'est Akira. Akira! Oh! C'est millimétré, les gars, c'est millimétré. Oh, faites-moi pas ça. Je crois que j'ai pris un truc sur la gueule. Oui, j'avais prévenu. C'est vraiment millimétré, c'est horrible. Pourtant, j'ai tracé comme une brute. Un homme stressé! Un homme stressé! Don't stress, man, don't stress, no problemo. Une catholique de toute fausse, ne. Hop, 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 hop. Vas-y, tu t'en fous tout de suite. Non! Putain de fuckerie, de bordel de. Pfff, la matinée, il me cite le vendredi. Oh, oh putain. Je rigole pas. Oh, le truc qui va pas tenir jusqu'au bout, c'est obligé de... Y'a... même... ralenti pour profiter du moment intense et... Oh putain, vendredi, merci. Ouh. Tu me remontes. Oh, vous avez vu ce qu'il vient de faire? Des yoga. Non. Attends. Non. Attends. Attends, non. Non. C'est une manette filaire, mais j'ai envie de la jeter quand même. Ah. Non. Vendredi. Qu'est-ce que je fous là? J'ai l'impression d'être Ripley au milieu des aliens. Oui, quand elle leur fait des... Oh, vous voulez pas savoir, je vais pas passer le stream en 18+, merde. C'est d'ailleurs une scène coupée hein, du alien de Jeunet. Donc le 4. Où il y avait une scène chaud-chaude avec Ripley. Tendrement enlacé dans une partousse d'alien, quoi, on peut le dire. Et franchement, je rêverais de voir cette scène. Parce que ça devait être terrible. Et Giger, qui était encore vivant à l'époque, il me semble, je pense que ça l'aurait éclaté total. Parce qu'il est coquin, Giger, mine de rien. Il était. Bon, il l'est toujours. Je sais pas où c'est qu'il habite maintenant. Oui, alors pour l'instant il se passe rien de... Moi j'avance en même temps que je vous parle, hein, parce qu'il n'y a pas de... Après je vais peut-être avoir la sensation de boucler. Alors ça c'est pas faux, et la boucle fait peut-être partie du jeu. Alors c'est rigolo, j'ai dit que je vous dirais des secrets. Donc le boss, enfin vendredi version XXL, je vais aller là-haut. Hein. Vendredi version XXL, je l'ai passé un paquet de fois, hein, pour arriver au bout. Je vous dirai la suite après.
Ouais. Pareil que toi. Une amitié trahie comme ça. Ça ne m'a pas trop plu. T'es sûr. Alors du coup, je me demande s'il n'y a pas plusieurs fins à déverrouiller. Mais ça, j'ai pas eu l'info. Mais je vais vérifier après. Parce que ça, c'est quand même ce qu'on peut appeler un bad ending. Une fois devenu grand, le petit enfant comprit tout. Bon, Little Nightmares 2, on va pas se mentir, reste un bon jeu malgré tout, parce qu'il a une réalisation qui est très jolie, qui est très agréable. Et franchement, si je devais comparer, et je vais me permettre de le faire, tiens, j'ai plus eu de frayeur, de tension dans Little Nightmares 2 que dans The Medium. Et les gens qui ont vu les streams sur The Medium savent de quoi je parle. C'est quand même particulièrement... baveux, c'est assez glauque niveau scénario où ça vous emmène, mais la tension qu'il y a dans Little Nightmares 2, elle est vraiment très très bien foutue. Maintenant, il y a un petit problème, toujours ce gameplay qui, bah, vu qu'on a une profondeur de champ, fait qu'on a rarement l'info comme il faut de comment on est exactement positionné, et même les meilleurs se planteront. C'est un peu dommage. Le dernier niveau, j'ai trouvé ça vraiment pas pa la pa la pa. Hein. Oui, la répétition, les téléporteurs, c'est le truc qu'on fout, qu'on n'a plus d'idée, quoi. C'est minable. Donc, moyen ça. Très très moyen. Mais le reste du jeu était très bien. Alors le final. Se faire planter par son binôme. Ah ouais, non, mais moi je vais rayer vendredi de mon assurance vie, quoi. On me l'avait pas faite souvent celle-là. Donc du coup, jeu agréable, jeu sympathique, maniabilité toujours qui vous ennuiera à plusieurs moments, c'est obligé. Et puis les épreuves finales qui sont pas top à mon avis. Maintenant, je vous marque dans les commentaires si effectivement le jeu dispose de plusieurs fins, ce qui pourrait être intéressant.